Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Bonjour, les bénis. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es gagnant, tu es un peu plus grand. Il y a un Congolais. 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 Il y a un Bio Africa Union et tout ça pour la machine, sinon vous voulez pas dire que vous voulez dire. Vous voulez dire que 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 Mesdames et messieurs, bienvenue, Critique Info, premier numéro. Nous allons analyser la marche d'aujourd'hui qui a été interdite, qui a été embrouillée, interrompue par la police, par-ci, par-là. Jean-Pierre Bemba était sur terrain. On nous rapporte que Jean-Pierre Bemba était sur terrain. C'est vrai que, pas que lui, mais il y a aussi beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses, par exemple, dans Lubumbashi, il paraît que Katumbi a annulé marche, il paraît. Je n'ai pas encore l'information. Il faut que l'on puisse attendre l'évolution et évoluer. Peut-être que Lobby te aura sa précision. Pourquoi à Lubumbashi, il n'y a pas eu marche? Il y a la Mouka. Est-ce qu'il y a eu marche ou pas? On va essayer de suivre l'actualité. Dans Lualaba, va interpeller ma jeune. Na Goma, va disperser ma jeune Ebélé. Ah, on a Kinshasa. Mike Mukebayi, oh, Dali, Moko, ya ba député opposition. Ba Betty Bango ba lacrymogène na Libanda Kuna. Donc disons côté Gambela, moi il va avancer et va la quitter. Les gens doivent comprendre une chose. Ba marche au et de ça les masikoyo et donc là qui s'attend que ba Bango tambo na plaisir au tambo là. Non, les gens marchent parce qu'il y a une ça ne va pas. Ce qui ba tout bimina ba la bala boy parce que à un moment donné trop c'est trop. Mais d'abord, structurellement, je crois que la Mouka aurait pu mobiliser suffisamment Batou pour qu'il va faire la marche Oyo. Ça ne devrait pas être l'UDPS. Je n'amène aucune polémique, seulement je remarque que la mobilisation de l'UDPS a été beaucoup plus forte que celle de la Mouka. Et ça s'explique. Ça s'explique. Lorsque vous n'avez pas tous les leaders sur terrain, sur place, ça peut être un élément important. Il y a communication. Mais aussi, lorsqu'on a réprimé l'ancienne, la première marche, et démobilisaka directement Bato Batikali. Et démobilisaka. Et dès le cas, Bato Batikali, il y a déjà 2-3. Bato Batikali, il faut éviter. Il faut hésiter. Quand on sait que la police a maintenu sa position. Ce que nous ne voulons pas voir, Otolingitez à la plus tard, et d'aller, comment on a les mêmes histoires et se reproduire. J'étais en train de dire le matin dans mon émission sur Facebook, j'étais en train de dire aux Congolais que très souvent nous commettons les mêmes erreurs sans que toi et comment qu'on analyse bah fait. Les mêmes erreurs dans le niveau 1. Tokel Kambouya marche. On va se poser la question pourquoi les Congolais ont marché. Non, mais les Congolais ont marché parce que Bobo Ikoyo Kabango. Mesdames et messieurs, le peuple dit non à Ronsard Malonda. Non à l'enterrinement des Ronsard. Mais lorsque vous vous obstinez, lorsque vous refusez d'écouter le peuple, vous voulez quand même foncer.
ce peuple ne va pas vous laisser faire. C'est ça le mal avec le peuple. Il ne vous laisse pas faire. Le peuple va dire non, il n'y a pas à Koboya. Au Kocha, il n'y a pas à Kocha. Au Kocha, il n'y a pas à Kocha. Et donc, il y a un petit wapi. Ce qui est vrai, c'est que le peuple est invincible. Les décideurs doivent comprendre que gagner un peuple, c'est pratiquement impossible. Aucun homme n'a gagné un peuple définitivement. Et on peut maintenir un peuple dans la peur, ça c'est possible. On peut maintenir un peuple dans la honte, ça c'est encore possible. On peut maintenir un peuple dans le mensonge, ça c'est possible. C'est aussi possible que ça soit pendant un temps, c'est aussi possible. C'est aussi possible que ça soit pendant longtemps, c'est aussi possible. Mais c'est impossible. Et ça l'a tout le temps. C'est impossible. Vous ne réussirez pas à maintenir un peuple dans la peur indéfiniment. Une fois, oui. Quelques fois, oui. Pendant longtemps, oui. Mais pas toujours. Pas toujours. Ce peuple est fatigué à Komona, ben élection fabriquée Nambo Kanabiso. Tokendaki na 2006. Bisous tout au lobby. Bemba Moutav Ganyaki, Kabila Trichaki. Tout le monde a dit ça. Tout le monde a parlé de ça. Sans savoir exactement qu'est-ce qui s'était passé. Comment les opérations électorales et Salemaki. Parce que depuis Kala, on ne serait pas là. On n'en serait pas là. Tobandaki Makambo en retard. En 2006, les gens ne comprennent pas les élections. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut vraiment dire. Bon, les erreurs de 2006 ne pouvaient pas être beaucoup plus tangibles parce que l'ignorance était vraiment au comble. Ok, on y va. En 2011, la communauté internationale, Batounion Sobada d'accord, les observateurs internationaux, Batounion d'accord que M. Kabila n'avait pas gagné les élections. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les rapports internationaux qui le disent. M. Kabila lui-même reconnaît qu'il y a eu tricherie, mais qu'il n'a pas changé l'ordre d'arrivée. Ok. 2018, le débat autour de la vérité des urnes. Moi, je pense qu'à un moment donné, le débat ne devrait pas tourner autour de la vérité des urnes. Les débats devraient tourner autour de la vérité du processus électoral. Est-ce que ce processus électoral était crédible? La réponse est non. Est-ce que le processus électoral en 2006 est crédible? La réponse est non. Parce que vous demandez à n'importe quel opposant. Où est-ce qu'on avait imprimé les bulletins? À éviter. C'était quoi les cursus à éviter? C'était quoi les marchés publics Kuna à éviter? Bref, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma processus électoral d'Abisson. On a dit les lots de élucider un côté. Alors, au lieu de vouloir étudier les dossiers calmement, avec beaucoup de patience, mais surtout avec beaucoup de recul, nous préférons éluder les questions. N'est pas ce qu'on a vu son problème. 2018, c'est aucune élection. Élection Selemi Mabé. Batoutou Babi Kélection Selemaki Mabé en 2018. Le président Félix Tshisekedi ne pourra pas nous dire avec combien de voix, des bureaux de vote, bah, qui a consacré à voter parce que, un, ce n'est pas son travail en tant que candidat président de la République. Deux, la CENI n'a pas fait ce boulot-là. Tout le monde le sait. Monsieur Martin Fayulu ne pourra pas nous dire quel bureau de vote n'a pas voté pour lui, quelle province n'avait pas voté pour lui. Il ne pourra pas nous le dire de façon claire et nette. Parce que ce n'est pas non plus de sa faute, c'est la faute à la CENI. Bon, maintenant, on est tous d'accord que les élections, c'était très mal déroulé, qu'il faut au Bandela et Malonga. Bon, Bandeko, beaucoup Bandela et Malonga n'a même composition. Non. Le peuple a lui boué. Vote, il faut faire les mana parlement. Pas boulouye, kembangou, bangouté. Entérinement, et là, il faut voter ça les mains. Et c'est que vous dites 10 personnes, 15 personnes, vous faites voter bon, à la sauvette. Moi, je crois que Mme Mabunda risque d'avoir une responsabilité historique énorme dans le cannabis pour avoir amené le pays dans la condition. Tous les députés, du moins au Bazo Lobana TV, ils vous disent la pire des présidences au Bayebina vie depuis Bandaki, vie dans le groupe parlementaire, et la ligne sous-présidence, c'est Mme Mabunda. C'est pas bien pour une femme. Pas parce qu'elle est femme au sens misogyne ou misogyne. Je ne parle pas de ça. Je dis ici, le mal, c'est que c'est une femme. Pourquoi? Parce que c'est la première fois dans notre histoire qu'on ait une femme élue présidente de l'Assemblée nationale, na condition, na contexte, autre chose à Namolilo. Parce qu'il y a eu une femme présidente de l'Assemblée nationale, oui. Mais le contexte, dans le contexte démocratique, c'est la première fois.
Et malheureusement, pour une fois que la femme est là, pour une fois que les monstruosités se commettent à niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est là le problème. Bomoni. Alors, donc, le peuple, quand il marche, c'est parce que le peuple se retrouve devant une Assemblée nationale qui refuse tout dialogue, qui refuse toute entente. Alors, quand vous avez le Parlement qui refuse de se comporter en véritable élu du peuple, alors ça devient une ingratitude. Et de l'ingratitude fonctionnelle entre les députés qui sont l'émanation de la population et la population qui sont, on va dire, qui est l'électrice. Parce que la population est l'électrice. C'est elle qui est allée élire les députés. Alors, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, Yamakambouana, suite à la caca, ma marche, ma protestation, dans ma désordre. Monsieur Malonda représente quoi pour que ce qui est azaté, que tout un système électoral est tombé? Pourquoi nous voulons reposer l'avenir électoral d'un peuple sur une personne qui est déjà contestée? Alors, les enjeux ici, c'est que l'UDPS doit comprendre que dans cette alliance, ils seront perdants et qu'il faut tourner maintenant le regard na Batou Moussousou. Mais il faudrait aussi que Batou Alamouka, Batou opposition, na Batou Nyo Tabaza, acquis pour le changement, ba que ceux qui vont s'entourer autour de Félix Tshisekedi, autour de l'UDPS, autour des idéaux, ou partager Nango, il y a plus de chances de réussir qu'on faire tomber, qu'on faire déboulonner le système, que ceux qui vont s'allier na FCC. C'est ça le problème. Parce qu'en politique, il n'y aura plus de, il y a pas de neutralité, en fait. Ou vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous subissez. Si vous êtes d'accord, vous imposez votre loi. Cette majorité fabriquée à FCC ne peut pas tenir longtemps face à une alliance. Il y a MLC, UDPS, MLC, la Mouka, disons, ensemble UDPS. Ce qui va s'allier front commun voilà, pour le peuple, ce front commun peut aider d'une manière ou d'une autre la nouvelle administration va tenir longtemps. Parce que l'impératif est allé. FCC, qui est cohabitation, est crucial pour la. Est très dangereux pour la Bango. Ils ne peuvent pas accepter cette histoire. Ils n'accepteront pas la coalition, elle est beaucoup plus dangereuse pour eux et ça va peser sur eux. Parce que qui dit cohabitation parle d'abord de la. Qui dit cohabitation parle de la requalification de la majorité parlementaire. Et Bango va prêter. S'il y a des mots qui dérangent le FCC, c'est le mot informateur, c'est le mot réveil de la justice. Et là, ils ne peuvent pas accepter qu'on puisse redorer à la justice sa vraie image, comme ils ne peuvent pas accepter aujourd'hui que Bapessa. Non seulement que justice a fait la moussa, mais encore permettre de tebaya l'informateur. Parce qu'ils savent que ceux qui battent l'informateur, ils n'auront plus cette majorité-là. On n'aura même pas besoin de dissoudre l'Assemblée nationale. On n'aura pas besoin de la dissoudre. On aura juste besoin de reconfirmer la majorité, de réqualifier la majorité. Tous ces députés que vous voyez sont prêts à traverser. La plupart d'entre eux. Bah après, ils vont traverser. Mais ils attendent des garanties. Ils veulent savoir des garanties, place ni aucune. Or, il faut être un intellectuel avisé pour regarder la conjoncture politique, pour regarder comment ça se passe à l'étranger, pour regarder comment ça se passe le courant, je veux dire, le courant politique international, pour comprendre que le président Félix Tshisekedi est en très bonne voie na Bango na Talibanda. Et ces gens-là ne demandent que la justice à la Moussa. Donc, il faudrait que Batba comprenne le bloc modèle. Voilà. Au-delà de tout ça, le peuple, lui, attend. Il a toujours ses problèmes qui attendent. Il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, il n'a pas à manger, il n'a pas le boulot, il n'a pas la santé, il n'a pas toutes ces choses-là. Et lui, il attend. Il attend quoi? Il attend que Bato et Pesa Kibokondi va réaliser ni Nabango. Mais un autre grand problème, c'est que qu'est-ce que nous voulons de ce pays, mes frères? Qu'est-ce que nous voulons de ce pays? Il est important que la police soit là. Moi, je suis bien d'accord avec la police. Encore aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts comme la fois passée. Mais ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Qui ne nous dit pas que ce qui Malonda va retirer était la semaine qui va suivre, il y aura encore des tensions.
il y aura peut-être encore des tensions. Ce que nous voulons dans ce pays, c'est que revenons sur le bon sentiment. Et il est temps. Le temps est là. Réfléchissons maintenant et disons-nous, ni n'itoki kosala pour que to koya lobi na mbebate. Ni n'itoki kosala pour que to beba lobite. Et ça est loko simple, to loba ki ngo déjà na ba débat na biso, bande ko boya. Bo discuter sur les rapports, il y a Sony. Ouais monsieur Nang. Je suis venu encore un monsieur na ba radio na biso ya Kinshasa awa. Alobi non, ce boyi ronsa. Rassurez-vous d'une seule chose, élection, il y a malamou, et qu'on a laté dans le cas ou bien élection qu'on a laté. D'abord, un, ce sont des hérésies que les gens distillent comme ça. Il faut rappeler que si monsieur Rossard Malonda est toujours là, c'est parce que disqualifié qui les autres experts, ou dans la tribu, il y a président de la République. C'est discriminatoire, c'est imprudent et c'est non intelligent. On ne peut pas le dire parce que regardez, Hervé Itto Adam Tabandundu, il a fait candidature à CENI, a commis président à CENI. Bon, supposons que le lot, Martin Fayulu a postulé, il est du Bandundu. On va demander à Martin, on va demander à Hervé de quitter son poste parce qu'il y a un candidat qui a la même tribu. C'est quand même fou de réfléchir de cette façon-là. C'est quand même fou de réfléchir comme ça. Donc, Bobo Iba, expert, Bazalawana, parce qu'ils sont Louba. Ils sont du Kassai. Est-ce que c'est vraiment normal? Est-ce que l'on peut faire comprendre ça à quelqu'un? Est-ce que vous avez vu aux États-Unis, bateau, badana, doctoire, ton directoire électoral, Nabango, Botali, appartenance, Nabango, ils ne viennent pas d'un même coin de. Mais sinon, si on doit le faire, personne ne sera candidat. Personne ne sera candidat. Parce que regardez, au coroner, je ne connais pas sa tribune, ta province, Nini. Bref, pensez-vous qu'il n'y avait eu aucun candidat qui était de la province de Kornenang? Pensez-vous vraiment ça? Je dois vous rappeler ici que le vice-président de la CENI, à l'époque, il y a Ngoy Moulunda, c'était M. Njoli. Mais il y avait des candidats qui avaient la tribu. Je ne comprends pas ça. Normalité. Corneille Nang a partagé la même tribu que certains candidats. Pourquoi ça n'a pas posé un problème? Malou Malou a partagé la tribu. N'a pas candidat Moussoussou. Le problème est là, ce sont des faux fouillants. Et là, bateau balingi na bango élection té et là bateau balingi ko comprendre maramboté bango mo bavena ba konté na bango tribe ba bango tribo et ce n'est pas bien. Moi je pense humblement, je pense que le moment est arrivé mes frères, yakoyoka peuple. Le moment est arrivé yakoyoka peuple. Peuple o ebozoyoka azo souffrir. Peuple o azo mona passi. To sakana na passi na été pour que to sa grippé na ba poste. La mouka Martin Fayulu, Monsieur Katumbi, Monsieur Bemba, Monsieur Mouzito, mettez-vous ensemble, rencontrez votre frère de l'opposition aujourd'hui au pouvoir, parce qu'en réalité c'est votre pouvoir. C'est votre pouvoir. Bobunda qui pone yango effectivement. Bobunda qui pone na bilo komi balé. Kabila longwa, na système na epe longwa. Kabila longwa déjà est égal au système. Maintenant, vous n'allez pas gagner ça comme ça. Vous avez besoin de l'appui de Félix Tshisekedi. Et lui aussi a besoin de votre appui. Mettez-vous ensemble. À l'heure actuelle, nous n'avons pas besoin d'une opposition. Quand je le dis, je ne le dis pas de façon formelle, la tête, le texte lobby. Non. Parce qu'en réalité, si tout allait bien, on n'en a vraiment pas. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on a une opposition. À l'heure actuelle, on a des mécontents. On a des gens qui ne sont pas d'accord avec un fait, des gens qui ne sont pas contents et des gens qui ne se sont pas retrouvés. On a donc affaire à des frustrés. Les opposants, Pinzaza, bifondé ba Congolais, fallait tout forcer FCC ba côte en opposition. C'était le travail que l'opposition devrait faire. L'opposition devait se battre pour que le FCC se retrouve dans l'opposition afin qu'il va vivre dans l'opposition. Mais ils se sont trouvés un moyen de survivre. Mais lorsqu'ils se sont trouvés un moyen de survivre, maintenant c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire, mes frères. Au lieu de vous battre, imaginons un peu. Ce qui est la Mouka Bakitaki le même jour, peut-être que les choses allaient être différentes.
Imaginons-nous un peu que lui ne pèse pas quitter les lots. Bon, le fait pour nous d'aller disperser, ils ont mis sur une place morte. Les gens vont dire, mais oui, Christian, ils ne peuvent qu'aller disperser, ils ne sont pas ensemble. Les uns sont dans l'opposition, les autres sont au pouvoir. Oui, le problème, ce n'est pas être au pouvoir ou le problème, ce n'est pas être dans l'opposition. Le problème, c'est la cause que nous défendons. Nous défendons tous ici, nous luttons contre une anarchie naissante. Nous sommes en train de lutter, nous protestons, nous refusons une élection bâclée en amont. Ce que nous ne voulons pas, c'est que nous ne voulons pas de la figuration électorale. Nous ne voulons pas ici de la tromperie, toboy tricherie. Mais tu ne veux pas en avant. Mais pour que toboy en avant, il faut que l'opposition m'a multiplié l'activité na bango. Ba l'embatté, ba continuer kobunda et va soutenir ba action malamu au sein de madame Minito. Parce que monsieur Bemba représente une population et bien dans mon cannabis. Il a une opinion. Monsieur Katumbi a une opinion. Monsieur Fayulu a une opinion. Monsieur Mozito a aussi une opinion. Le problème ici, à quel niveau? Le problème, c'est que est-ce que nous ne pouvons pas mettre nos opinions ensemble pour créer une seule et unique opinion? Quand on aura fini ça, on va maintenant voir. Félix Tshisekedi a une opinion. Or, Bato Bazolanda Félix Tshisekedi, Baza contre Martin Fayulu T. Bato Bazolinga Félix Tshisekedi, Baza contre ma postulat, Baza contre ma posture, Baza contre ma manière, Moussou et Martin Fayulu. Et inversement, ceux qui sont avec Martin Fayulu ne sont pas contre Félix Tshisekedi, mais ils sont contre ce qu'ils ont cru être vrai. Baza contre Yango. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc aller au-delà de ces petits clivages-là. Total, il est ok. Bon. Et dans ma blog, on peut passer au-dessus de ces choses-là. On se met ensemble, on réfléchit, on calcule, on projette et on dit, voilà comment on va aller. Mais c'est comme ça que l'on fait les choses. Moi, je continuerai. Il y a aussi un gabino boya. Parce que mon cannabis, il faut un peu plus. Ça demande un peu plus. Il faut une énergie calculée, réfléchie, orientée pour mettre hors d'état de nuire bato nyon so bada na aventure et mabe na mboka na biso. Mes frères, nani yango a ébité que anarchie et lati mboka o tina moye le pinière nango. Nani yango a bosani que mboka o ma balola yango, c'est payé de venir à l'envers. Voilà le système où il faut attaquer. Autant qu'on s'attaque entre nous, t'es. Comme j'ai entendu les gens me dire, mais Christian Bosembe, on s'attaque aux Mikolo, on a mon yondero, on l'imbécile la mouka. C'est fou que moi, Christian Bosembe, n'attaquer la mouka. Je ne peux pas attaquer la mouka. Je suis acquis au changement. Nalobaro, toujours, je suis un journaliste acquis au changement. Je suis contre la sacralité de la médiocrité. Ce pays, on a été mal habitué. Babesan Sakibiso Mabe. C'est-à-dire quoi? Culte, il y a médiocrité. Bato, il y a évité. Ne va pas faire ça, il y a un cabo. Tomo kako, il y a un kambabiso. C'est inadmissible. Bovandi na quartier. Bovandi na quartier. Boebi binonyoso, Hervé Itoma. Boebi, exemple simple. Hervé Itoma, classe à Tanguité. Hervé Itoma, et là, comme à l'ouan à Moutou, exaté. Qualité de mon mobilisateur. Il y a parti politique, mon robot. Ça veut dire qu'il y a dimanche, il y a tongo, il y a kokamba, il y a mbabato, il y a boya, il y a une place telle. C'est tout ce que l'on sait de lui. Il vit chez ses parents, il a du mal à s'en sortir. Et tout. Mais curieusement, Hervé Itoma, remaniement, il se retrouve ministre. Il se retrouve mandataire. Oh. Ce qu'on imagine que la place où Hervé Vandi, va licencier Bazali, va graduer Bazali, va tomber Yébi Bazali, va tomber na Boanya Bazali. Mais bato wana bazui mon salaté. Bato wana bazui ba attirer attention ya ba conduite. Parce que bon, il a fait la politique, on va le prendre lui pour faire de lui un ministre. C'est déjà une consécration ya médiocrité. Ina mérite à ta mon côté. Yenda comme ministre. On peut encore comprendre, c'est la politique. Mais deux mois après, et revanche mili pour na bonda. Trois mois après, ba négocier sur comme na mituk. Cinq mois après, oki ba négocier tongi ba sali ba entreprise. C'est ça qui crée l'injustice sociale. Il y a un peu de kanda dans le monde. Lorsque tu as séquestré les ressources, tu as pillé, tu as commis un prédateur. Et tu as parrainé la prédation dans la mauvaise élection. Il y a un peu de peuple qui a été le peuple qui a été le aujourd'hui, on trouve Homo Fortus. Supposons que Tanguy Ming, à 6 classes, avant de déboucher mon côté.
yo mon côté. Mais yo qui sango que une de ses copines camarade na yemoko ya bana ko la ki sa ba document na classe ko la ki sa kae tala ba sala kabou tala ba ko makabou ayo ki sango que yende ba tie numéro 1 ya serveur central. Mais ça ne peut que l'étonner. Il va se poser des questions, mais à quel constat la ni kuna na ebie niveau na yena na se. Mais c'est le genre de témoignage qu'on a aujourd'hui à Kinshasa. Les forts sont en train de regarder, les faibles en train de bricoler. Ce que tu le dis que c'est la cacocratie, au tête tu le dis mabé. Ce que tu le dis que c'est une inaptocratie, bah le dis toi ton fing a tenu ni ata binomo kondeko. Mboka est dernier que bato boanya ne bako kamba. Et comme il bato badangi boanya, bangani bako miko kamba. On veut boire les kia, cousin ya, camarade ya. Soko na kati ya mboka. Et Kambeli Mboka est dans ce colandela te boigner à bateau. Et comme il colandela, Bokangi Selibo, ma beauté à bateau, c'est que ça ne sert à rien. Il faut que Kangaba université. Mais tout le monde a un parti politique, tout le monde a un peu de. Parce que lorsque dans un pays, ceux qui doivent gérer ne proviennent pas de l'école de gestion, alors c'est l'hécatombe. C'est vrai, l'empirisme est à la cas. Mais l'empirisme a des limites. L'empirisme n'innove pas. L'empirisme n'innove pas. L'empirisme maintient le statu quo. L'empirisme est allié à tout ce qui est bon. Et tout ce qui est bon, à la limite, tout ça qui est bon. Mais ce n'est pas possible, Bande Kolangai. Ce n'est pas possible. Si quoi est bon, tu as tant que tu as bon à l'État, tu as qu'à financer l'élection dans Bango pour que tu ne te fasses pas. Tu as dit que tu as un modèle en athée. Tu as dit que tu as un modèle en athée. Il y a un peuple qui est dans le peuple à Tomboki. Il y a un peuple qui est dans la marche. Parce qu'il faudrait en parler. Mais ces enfants sont les victimes d'un système. Je vous donne deux cas. Il y a un peuple qui est dans la marche il y a 91. Tu as la tranche d'âge où il y a un peuple. Il y avait beaucoup de jeunes aussi. Si vous posez des questions à les jeunes, il y avait la plupart des jeunes désœuvrés. Bah, jeune moko, victime d'un système quelconque, parce que parmi ces jeunes, il y avait des étudiants. Mais c'est des étudiants qui voyaient la vie, leur vie. Ils ont bébé du jour au lendemain. Yango va quitter Babima, là-bas, là-bas. Donc, lorsque les gens marchent, bah, d'accord, victime d'abord, il y a un système politique qui est en place. Sinon, ce que le système politique est en place, bah, marcher, totalement, la pour ce que totalement, bah, marche, bah, saliman, à l'époque, à Kabila, na l'élo, t'as là-bas, manifestant. C'est l'âge, corrigez-moi, Hervé. L'âge varie entre 17 et 25 ans. Majorité de Bango Bangwana. Ça veut dire que Bato, tant que les côtés de Mboka, la plupart d'entre eux, je crois que nous avons 6, ceux comme il a calculé, nous avons 6, 2018 et 2020 est vraiment compliqué. Je crois que nous avons 24 ans. Nous avons 6, tu 2020, je crois 24 ans. Nicolas Namakas, 24 ans. Mais ces gens avaient quel âge? Ils avaient zéro. Ça veut dire que tant que le rond de dire Kabila, côté, Bango 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 Bango. 24 ans après, ils ne sont jamais allés à l'école parce que, bon, gratuité de l'enseignement, ils ont quitté. Ça, c'est des 1. Des 2, Bazaban est un fonctionnaire à l'État. Des pauvres citoyens qui ont travaillé dans le cannabis. Bazaban est là, Onatra. Bazaban est là, UNSS. Bazaban est là, entreprise à l'État. Entreprise où les politiciens sont bombés dans le Bango. Envoyant des milliers de personnes au chômage. Envoyant des gens dans la retraite anticipée. Il y a des parents qui ont perdu usage. Il y a mis son abango, ma boko na bango, ma kolo na bango, pas na consacré à l'État. Est-il le lobe à tigre contre l'indemnisé? Bato et belo, boto mon awana, banda kona bango, baboto la, baza libanda, baza na balabala. C'est des jeunes gens frustrés. Alors quand on demande qu'il va quitter la balabala, va détruire, ils vont détruire. Classe, entrée à Kabila, et là qui entrée à échec, et à école, système éducatif. Boboma nyoso, cours à civisme, maintenant morale, boboma. Nous, quand on était encore de petits, moi, j'ai eu un peu de chance quand j'étais encore à Goma, notamment dans l'école privée. Dans l'école, on a parlé comme ça, sur le lobby, les bancs. Et là, il y a un banc, il y a un intouchable. Pourquoi il faut toucher un côté? Voyez-vous, c'était ce qu'on appelait le bien commun. On avait à l'époque le sens du bien commun. Mais les lots, le sens du bien commun, Koufa, ils ont sauté. Il y a beaucoup de monde, jeunes, qui sont dans la Pandi, la Bouki, la Bétina Transco. Bien commun. Mais ceux qui sont jeunes, ils Tangaki. Ce qui est système politique, il y a Kabili, et il y a une logique qui a transformé l'homme. Mais les dégâts dans Balaba, ils ont moukié. Mais les dégâts dans Zélé, ils ont moukié. Mais pourquoi il y a beaucoup de dégâts comme ça? Parce que les gens ont besoin de Balaba, ils sont victimes. Victimes du système, il y a Kabila. Victimes, il y a Batouana. Ndeko, Nambo, Kaoyo. Salaire à policiers, Zanine.
Salaire y a policier, Zani. Salaire y a agent public, Zani. Salaire y a enseignant, Zani. Tant que ma papa n'a pas de policier, ma papa n'a pas de militaire, ma papa n'a pas de l'administration publique, ma fonctionnaire à l'État, tant que ma papa vivre dans le cadre, il n'y a pas si y a modèle. Il n'y a pas de souffrir. Mais, changer la chaîne, quand on a vie à ma politicien, va nommer ministre Lelo, lobby, vie échangée. Va nommer mandataire Lelo, lobby, vie échangée. Ce que le peuple, on a monté la vie à un moment donné, le peuple dit trop, c'est trop. Moutoumouto a travaillé dans la vie naïté. Mbalali Bosso a moussala dans la vie. Mbalali Bosso a moussala dans la vie naïté. Et il a commis PCA entreprise. Vous n'avez pas blague. Boy. Alors que, dans la même entreprise, on a tout ça, on a passé 20 ans, 15 ans. Bakanga était, Aïbate, Bablama était, et le Komokote. Bon, c'est quel pays qui ne sanctionne pas positivement les meilleurs? Une société qui veut se développer promet le valeur. À ça, la promotion, il y a la valeur. Bah, ça, la promotion, il y a la valeur. De façon que, bah, tu vas se sentir, oui, on a été récompensé. Mais ce n'est pas le cas. Bon, vous travaillez à l'entreprise, on s'en a bien, t'es, bah, comme ça, c'est la nouvelle ligne alors. C'est ça l'état de la société. C'est pourquoi le peuple est toujours dans la rue. Le peuple videra la rue lorsque le cerveau rentrera dans la tête des politiciens. Mais tant que les politiciens, avant d'agir, ils vont continuer à débrancher leur cerveau, le peuple sera toujours dans la rue. Voulez-vous que la rue soit desséchée? Oui, remplissez les entreprises. Construisez des conditions. Faites des conditions. Créez des conditions pour permettre que les jeunes soient occupés. Vous avez, mesdames et messieurs, combien d'habitants à Kinshasa? 30, disons, on parle de 12 millions. Il y en a d'autres qui parlent de 16 millions d'habitants. Mais je peux mettre ma main à couper. Il n'y a pas 6 millions d'emplois à Kinshasa. Je mets ma main à couper. Venez la couper. Il n'y a pas 6 millions d'emplois pour les jeunes. Le pays est incapable de créer 6 millions d'emplois pour les jeunes. Ou de favoriser la création de 6 millions d'emplois pour les jeunes. Pourtant, toutes les solutions sont là. Acceptez votre incapacité. Acceptez votre incompétence et acceptez aussi que le peuple descende dans la rue pour vous dire trop, c'est trop. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Africa Union! Mais quand tu as un bilan, il y a un million congolais. On dit que tu as un million de congolais. Pour la colère, il y a un million de congolais. Pour la colère, il y a un million de congolais. Pour la bio Africa Union! Et toi, tu as un million de chinois. Sinon, tu ne peux pas dire que tu as un million de congolais. Tu as un million de congolais. Il y a un boca. Il y a fraise. Bio! Bio! Oh,